Ah, je me sens bien là, j'ai de la place. Les gars, je vous jure, je vais bien jouer. Hein. Ça va buff mon mental et mon gameplay. Genre, je le sais. Je dis pas ça en mode j'essaie de me rassurer ou pas. Genre, c'est un straight fact. Je le sens. Ça, les amis, combiné à la gelée royale. Là, je vais gelo royalo 1v9 les games, je pense. Hein. Le Valko, c'est un viewer de Roubalas. Bon, en général, quand je tombe avec des viewers, je suis content parce qu'ils tryhardent. Vous avez vu skin de Viego? En fait, tous les chromas de ce skin de Viego, dans la chambre Selec, ils paraissent infâmes. Mais je sais pas, in-game, je les trouve pixel. Je sais pas où est Thresh, faire gaffe. Pas de flash, le écho, ok, faudrait essayer de punir. Oh, il est AFK? Mais il a pris quoi comme spell le Malf? Ah, il a stacké sa tire. Par contre, il joue vraiment Grasp contre Gnar. Grasp tire. Ouais, il est chaud lui. Quoi pas l'état le tempo, depuis que ça a été nerf, c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. Je pense vraiment, enfin là, je pense depuis. Conqueror et Frezy Attack, c'est vraiment fort. Allez, on va essayer de slay. Bon, en vrai de vrai, nos dernières games sur Viego, on a passé un cap. Je l'ai joué quelques fois à OLO aussi. Mon Viego, il est limite S12 ready là, notre lent. En no mic, no cam, full tryhard, mon Viego il est vraiment S12 ready, je pense. J'ai un peu fait de la merde là. Après, c'est pas facile de pull dès le début, je devrais smite en fait. T'arrives à t'habiller sur le jeu? Bah, bien sûr. Genre là, j'étais content de. Là, aujourd'hui, j'étais vraiment content de lancer mon live quoi. En même temps. J'étais malade hier, j'ai pas live hier, j'ai fait des trucs chiants aujourd'hui. Mais oui, League of Legends, niveau gameplay, ça reste un jeu pixel. Sinon, on jouerait pas en vrai, c'était vraiment. Le gameplay était nul. Après, je dis ça, je vais peut-être avoir envie de. Là, il y a peut-être une stalactite qui va me tomber sur la nuque dans la mine d'ici quelques minutes ou quelques heures, mais voilà quoi. Là, je devrais utiliser le Z en fait pour pull. Ah, mon clear est vraiment à chier là. Là, je pense que la tech c'est ça. Ouais, quand tu tardes blue. Comme ça, il arrive devant toi avec le stack de passif. Là, j'ai fait un clear. Je me suis rattrapé sur Vrace Red. Là, je fais un clear 8. Moi je suis peut-être gentil en disant 8. Si je fais bien les golems, c'est un clear 8 sur 10. J'ai pas été pixel. Oh putain, ils sont morts. Merde. Ok, 7 ennemis, 7 ennemis. J'ai pas très bien fait les golems. Oh ok, bon, c'est un 7. 7, 7 sur 10, c'est clair. Ridicule. Pas ridicule, mais. Un peu foutu de ma gueule lui. Bah ouais, je vais les aider à push. Sans prendre trop de farm. Alors je n'avais même pas vu que le Kha'Zix c'était là. Il a dû faire le crabe. À mon avis, il a pas fait 6 camps. Ouais. Du coup, le camp qu'il a pas fait, je pense, c'est les golems. Là, ça va ward back. Bon, on a vraiment un early gratis. Boum 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 boum, hop. Je sais pas à quel point c'est worth de rester dans la shroud comme ça en early quand tu vas sur un side. C'est parti des petites optimisations qu'on devra check. Est-ce que j'ai envie d'aller top direct là? C'est vrai, le skill cap avec le E de Viego est vraiment. Oh putain, j'avais pas vu. Hop là. Genre là, typiquement, ce genre de trade, je sais pas si sans press d'y attaque. Ça met bien. Je sais pas si sans press d'y attaque, je les gagne, tu vois. Genre, press d'y attaque, c'est vraiment trop fort sur Viego dans tellement de situations. Que ce soit en 1v1, en petite escarmouche. Même en fight, c'est fort, tu vois. Par contre, que le Kha'Zix ait fait ça, il streamac ou. Ah non, non, en vrai. Non, le Kha'Zix, ça voulait juste venir top. C'était très close entre les deux.
peux pas le chase cancel là? Putain, j'ai un shutdown sur la tête, ça casse les couilles. Dead man walking. Ouais, putain, j'ai pas très bien joué. En fait, ce move est nul parce que Kha'Zix normalement peut être là et. Donc ça pue la merde quoi. Et Echo, c'est pas gankable, hein. C'est un truc de fou. Bon, après, il a ulti, flash et tout, mais. Il y a Kha'Zix là. Je pensais pas qu'il avait la range pour me voir. Oh, ça me pète les couilles. Parce qu'en fait, enfin, pour moi, il a pas la range pour me voir. Donc s'il vient ici, je le vois, je recule direct, tu vois. Ou il se fait bait et il meurt. Mais il avait la range pour me voir. Je suis surpris parce que j'étais quand même loin du mur. Enfin, c'est-à-dire qu'il me voit de là. Parce qu'il est pas level 6. Hein. C'est-à-dire qu'il me voit de là. Je suis vraiment surpris. Ça doit jouer à 1 pixel de vision. En tout cas, j'ai à lui pour ses 600 gold. Hein. Non, on a vraiment raté ça qui est ça. Ah, c'est ça. Ah, le Kha'Zix, ça fait. Bah, en vrai, dans cette game, il a fait plus d'erreurs que moi, tu vois. Et là, il est aussi bien que moi dans sa game, voire un petit peu mieux. Mais bon, méta shutdown V1. Méta shutdown V2, pas de problème. Méta shutdown V1. La vraie méta shutdown. This is gonna tickle. Putain. En vrai, j'étais trop en train de regarder ma barre d'XP qui était à 95% et tout, et j'ai pas vu ce que la. Enfin, elle m'a découpé la vache quoi. Je pense j'aurais même pas pu go in à l'ulti, hein. Elle m'aurait tué, j'aurais pas eu les dégâts. Après, c'est normal, hein, c'est H. Je vais aller bot side. Faut qu'on rattrape cette game là. Pas joué depuis 2 jours. On est en mode golem là. Putain, ma musique est vraiment trop forte aussi. Ça c'est du pur trolling ça. Là il y a encore le crabe. Oh les gars, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un après la game peut me dire de monter le son de mon jeu? Mais genre le son de mon jeu pour moi, tu vois. D'ailleurs vous l'entendez bien ou pas? Bon, de toute façon je refais bientôt tout mon setup son donc. Je sais pas si mon son LOL est assez fort là en fait, je me rends pas compte. J'entends quand même assez bien, tu vois. Ouais, j'entends quand même assez bien. Hein. C'était juste ma musique qui était trop forte en fait. This is gonna tickle. Ah, j'ai hardgoin pour essayer de le sauver. Par contre, faites très attention à mon Viego, les gars. Mon écho, pardon. Pixel. Ah, je vous avais dit qu'on allait avoir de la chance aujourd'hui. Hein. Le Gnar est vraiment AFK là. Pourquoi j'ai Q comme ça? Pourquoi? J'ai mal joué là, j'ai mal joué. Press the attack, les gars. De rien pour ce press the attack. On va pas toucher à sa wave. Mais là il avait pas de red smite. Ah oui, c'est un golem, il joue blue. Parce que là s'il a un red smite, est-ce que je gagne ce trade? Je pense pas, tu vois. Après est-ce qu'il m'a blue smite? Est-ce qu'il m'a mis le burst du blue smite? Et là c'est la close armor qui fait la diff. Champ diff, bah pas vraiment. Enfin j'ai press d'attack, c'est normal, tu vois. J'ai press d'attack close armor en duel, c'est ultra fort. Alors que lui il a le scaling de Dark Harvest, il joue Blue Smite. C'est quoi l'intérêt d'ulti à la fin? Bah en fait t'as un stack gratuit d'ulti quand tu voles un corps. Donc là par exemple j'ai ulti pour me déplacer, juste pour gagner 2 mètres.
Les gars, je vous ai dit que cette game c'était free. En fait, enfin, genre vraiment les dernières games que j'ai eues sur ce compte, c'était très mal payé, on va dire. Hop. Il va pas chercher à d'autres, lui, hein. Il en a rien à foutre. Hein. Vous connaissez mon trèche ou pas? Ah, let's go, les gars. Incroyable ce qu'on vient de faire sur les Brice là. C'est Amor en face? Je sais pas, Amor Junior. Mad Life pleure devant mon trèche en fait. C'est vraiment de la merde. Mais il se passe quoi en face dans le chat? Parce que là, moi, je suis vraiment focus sur mon gameplay. Je vois qu'ils sont en train de mettre 20 messages par minute. Pas surprenant, mais... Je sais pas trop ce qui s'est passé en face. Mais le Gnar est pas AFK, ils ont dit qu'il était AFK. Il a pris des CS, je crois, tout à l'heure. End of the line. Trèche est un multi-récidiviste, comment ça? Je suis une merde? Non, ouais, je suis en pire merde. Bah, je pense que je vais cut mon live en vrai. Enfin, en vrai, honnêtement, après avoir fait ce move, je dois cut le live. En vrai, les gars, enfin, ça sert à rien de jouer là. C'est ridicule. Ouais, je pensais qu'il allait dash ou... Je pensais qu'il allait faire un truc, tu vois. Mais mon stun, enfin, en fait, j'ai R trop vite par rapport à ça. Ce que j'ai fait, c'est pas forcément mauvais si le... Mais en fait, vu que là, j'avais une durée de stun et que j'étais assez proche de la cible, bah, c'était ça, enfin, c'était ridicule. Bon, de toute façon, on s'en fout, la game est win, mais... Juste sur le principe. C'est littéralement honteux, genre. Bon, on attend que cette game se finisse, hein. Après, le écho, il est bien big, hein. Meta shutdown et tout. Après les gars, j'ai pas joué depuis 2 jours, hein. Faut être... C'est la game de reprise. C'est la game d'échauffement. Donc Gnar les gars. Oh, let's go. On est là en mode boomerang. En tout cas, un petit plaisir de gagner cette game. Facilement. On en a bavé sur ce compte. Mais alors bien bavé. Ok, la proto-belt. On va sécure, hein, ça va go Herald. En fait, ouais, faut juste bien jouer les entrées de mid-game quand t'es devant, faut juste rush les objectifs. C'est un truc qui se faisait, qui n'était pas fait de manière assez rigoureuse, mais maintenant avec les objectifs shutdown, bah, tu rush les objectifs qui sont gratuits. Genre le Herald 2, etc. Ça va même te forcer à être plus clean dans la game. En vrai, vraiment, enfin, la méta shutdown V2, elle est ok, tu vois. Mais ça me fait chier parce que ça fait de l'ombre à la méta shutdown V1, tu vois. C'est ça qui m'énerve. Ça fait un peu oublier la méta shutdown V1, qui, enfin pas vraiment, mais qui elle est le vrai problème, tu vois. Double jump.
Oh là 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 là. Regardez les tricks avec Bard. Enfin avec Egnar. Juste what the fuck. They picked the wrong fight. Bah si c'est vraiment open, attends, je vais leur dire à Yeralt T4 il faut open. Je pense que c'est respectueux de ma part, je leur dis juste s'ils veulent gagner du temps, on peut gagner du temps quoi. Mais s'ils veulent défendre, pas de soucis. Parce que là je crois que la moitié est FK donc. Ok. Je peux envoyer le poulet. Toujours garder le Herald pour les T4. Lors d'un open ou d'un push final. il était en vraiment en tourelle automatique. Le Gnar c'est très grave, hein. il a joué contre un Malphite tir grasp et il a AFK, genre, enfin ça n'a aucun sens. Ah non il lui a fait peur, putain j'allais le flash dash R. Faut que je fasse ça sur le côté parce que sinon j'allais dans la fontaine. Mais bon voilà, ça a joué trop safe, on pouvait pas gratter un petit kill. Voilà les gars. Je vous avais dit que cette game était free, on avait une pixel draft, et je le sentais bien en fait. Étonnant, hein, le bureau est rangé, je ne suis plus malade, un peu de gelée royale, et la game est winnant.